Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne parce que les problèmes, petits problèmes techniques ont été résolus. Alors voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de je, du tout petit pronom je, dans l'écriture de soi. Parce que parler de soi, eh bien, ce n'est pas si évident. Écrire sur soi, ça l'est encore moins. Écrire son autobiographie est un beau présent que l'on s'offre. Et pourtant, il y a quelques réticences lorsqu'on parle de soi à écrire je. Commencer sa page par je, c'est faire preuve d'une certaine indécence ou d'un narcissisme certain, c'est familièrement se regarder le nombril. Pourquoi tant de honte? Parce que la société nous apprend très jeune à mettre notre individualité au service de la collectivité. Il faut se conformer aux principes généraux, sociaux, aux codes culturels. Tout ce qui semble personnel, voire trop intime, est au mieux inintéressant, au pire superficiel et vaniteux. Et pourtant, commencer sa page par ce petit pronom qui désigne toute la potentialité de notre soi, c'est se mettre à l'écoute de sa voix profonde, renouer avec ses instincts, ses désirs les plus anciens, ses rêves d'enfance. C'est apprivoiser le chagrin et la joie, se mettre au contact de ses larmes et de ses sourires. C'est éprouver toute son ambivalence d'être humain qui fait de la faiblesse de sa condition une force. Écrire je dans son journal, c'est convier autrui à prendre sa place sur la page. C'est transformer sa vie, quelle qu'elle soit, en élan universel. C'est découvrir que tous les jeux sont reliés dans le nous de la caravane humaine. Alors, écrivez je en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre de la page, autour de ce pronom. Faites graviter les mots que vous préférez, vos mots fétiches, porte-bonheur, vos mots talismans. Voyez comme vous êtes le centre de votre univers. Pour écrire, il faut se sentir essentiel comme chaque étoile qui contribue à éclairer l'encre noire du ciel. Allumez une lampe pour vous-même et reconnaissez-vous dans sa singulière clarté. Écrire je, c'est vivre qui on est vraiment, se voir briller dans le reflet du pronom à peine tracé. Et qui sèche. De jeu en jeu, vous avancez parce que vous écrivez. Et avant d'être lu, voire reconnu par tant d'autres jeux, vous existez. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!